On va voir. Je le lance maintenant. Comme ça, au moins, ça va commencer à capturer. Et on va voir ce que ça donne. Je ferme 12 bis. Bon. Firefox est lancé. Donc, du coup, je vais le rétrécir parce qu'il est sur YouTube en plus. Hop! J'enlève l'aperçu. La musique est toujours active pour l'instant, mais je vais la couper dans pas longtemps. Je lance Astroneer, qui doit être quelque part, hein, je sais pas où, ici. Normalement, j'aurai moins de mouvements de tête. Ouais, on va synthétiser, j'espère, mais je ne crois pas. C'est exactement ça. N'empêche, Dandara, c'est vraiment les meilleures musiques du matin. J'apprécie beaucoup. Alors, oui, je veux bien. Sur le Discord, comme ça, tout le monde peut écouter. Ouais, merci. D'ailleurs, il y a les mobilisations en ce moment. Alors, attendez, je vais aller chercher ça. Il y a 800 000 mobilisations qui ont été lancées. Pour se battre, pour se battre. Je vais taper 800 parce que normalement ça devrait trouver, devrait trouver tout de suite. Je crois que je l'ai partagé. Je crois que je l'ai partagé. Je vais checker. J'ai plusieurs choses en même temps. Attention, j'ai cassé l'ordinateur dans quelques secondes. Est-ce que j'ai partagé les 800? Ah oui, d'ailleurs, prochain gros truc que je vais mettre en place, du coup, ça va être sur la tente, là, les 5 minutes, je vais vous laisser la possibilité de coller des stickers. Donc, j'en ai quelques-uns déjà que j'ai gardés, mais le dernier, là, celui que Bénécologie nous a fait tourner, il est bon. Et vous croyez ça, que je ne l'ai pas partagé, la carte de... Voilà, la carte des mobilisations. 800 collectifs et personnalités politiques, artistiques, militantes et intellectuelles appellent à des rassemblements partout en France le 5 mai contre les attaques contre les droits trans et reproductifs. Que le chargeur bien branché. Oui, j'ai récupéré un truc. Alors, j'ai... c'est Politis. Alors, je vais faire tourner le truc du planning familial. Hein. Je suis désolé, mais on est de ce genre de personne. Pin. On va tenter. Le pin. Sachant que j'ai jamais vu que ça fonctionnait dans mon chat. Donc ça se trouve, il y a un blocage. Un blocage, je ne suis pas affilié. 800 mobilisations. C'est ça? En hexagone. Parce que j'ai vu que l'hexagone pour l'instant. En hexagone. Alors comment c'est dit? Pour défendre, pour avoir, enfin, je sais pas comment on dit, comment c'est écrit? Défendre? Organiser? Personnalité? Ouais, c'est 800 personnalités. Ah oui, c'est pas 800 mobilisations, moi je croyais que c'était 800 mobilisations. Donc je vais mettre juste mobilisation le 5 mai. Le 5 mai, en hexagone. Comment on dit, je vais mettre le slogan qu'on connaît tous, Protect Trans Kids. Sachant qu'il y a Trans Right Now aussi. Right Now, j'arrive même pas à parler bien français. Right Now. Hop, hop. Alors, on va voir si ça fonctionne. Est-ce que le chargeur est bien branché? Oui, toujours. Ah oui, on est revenu sur Silva, si je ne sais pas si vous êtes au courant. On a la plateforme d'échange aussi. On va pouvoir échanger des résidus. Vas-y, connecte-toi. Pourquoi tu veux pas te connecter? Moi, je veux vérifier que mon pin il va fonctionner. D'ailleurs, je vais copier-coller parce que si ça fonctionne pas, faut que je mash up. Hop. Alors, on va voir. Ah, on peut pas l'utiliser en dehors du chat officiel. Alors attendez, je vais aller dans le chat officiel. On peut pas. C'est pour ça que ça marche pas. On a été revenu vendredi. Oui, on est revenu vendredi, ouais. Je l'écris dans le chat officiel. Mobilisation. Bah,
Bah, c'est pourquoi qui a déclenché le planning? Vendredi? Non. Le pin, c'est bon. Je pense que ça devrait marcher, c'est beau, c'est joli, ça marche. Vous le laisse jusqu'à la fin de la vie. Hop. La radio, dans pas longtemps. Quand vous voulez. De toute façon, faut qu'on cherche des musiques là de drama. Là. Donc si vous avez des musiques de drama, je prends. Et je pense que c'est bon. On a tout. On peut jouer. Oh, on est à l'intérieur. Comment on a fait pour être à l'intérieur? Je coupe le son. Ou je laisse la musique. Je vous laisse la musique. De toute façon, il faut qu'on aille chercher le tracteur. Là. On a un problème de puissance. On va aller chercher le tracteur. On va déposer le fer parce qu'on n'en a plus besoin. Non! Non! Mais qu'est-ce qui... Il m'a pris mon fer! Donc on va aller chercher des trucs. Il nous faut... Ah, il a fait du nitrogène. C'est intéressant, c'est bien ça. Il nous faut donc... Ah oui, il faut faire l'oxygénateur. L'oxygénateur. Alors, l'oxygénateur. J'ai save à l'intérieur, mais le truc, c'est que je peux pas re-rentrer. Voilà, j'aurais pu faire ça. Et je crois que j'ai déjà fait. On va essayer de faire... La plateforme d'échange, c'est bon. On va aller chercher des résidus, je pense. Là, je pense qu'on est bien équipé de tout, mais on va essayer de faire l'oxygénateur. Voilà, aluminium, il nous faut. Et l'aluminium, il nous faut quoi pour faire l'aluminium? L'astropédie, il nous dit quoi? De la latérite. Mais je crois qu'on a déjà de la latérite quelque part ici. Hein. Non, ça, c'est de la sphalérite. Mais je peux faire ça avec ça, en fait, je crois. Non! Mais la latérite, elle est de toute façon en bas, donc on va aller chercher le... On va aller chercher le... Pas de la latérite, non, c'est de la wolframite. Ouais. Ouais. Ouais, on va chercher juste de la... Peut-être poser ça ici quand même, parce qu'on... Bravo, tu t'en rappelles bien, moi je m'en rappelais pas du tout. Hop, et il faut qu'on aille chercher les réacteurs de... On aille chercher les réacteurs. Ah, on a du titane, c'est très bien. On va aller chercher les réacteurs du tracteur. On va essayer de découvrir un peu les mystères, parce que j'ai cru comprendre... Certaines streameuses m'ont dit c'est bien de se balader dans les planètes, mais c'est chiant parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc du coup, maintenant, on va aller chercher des trucs où c'est intéressant de chercher. Comment ça peut être coupé là? Il y a une coupure ici. Ah bon? J'étais pressé, ouais, j'étais pressé de rentrer. Je sais pas de quoi tu parles. Comment ça peut être connecté à quelque chose qu'on ne voit pas? Oh mon Dieu, ça c'est moi qui l'ai fait, ça. Ça c'est l'enfer. Pourquoi j'ai fait ça? Non, bon, on va chercher le tracteur, hein, de toute façon. Le tracteur, est-ce que je peux l'avoir dans ma carte, le tracteur, d'après vous? La carte. La carte. La carte. La carte. Pourquoi il veut pas m'afficher la carte? Quel est l'enfer de... J'ai pressé de finir le stream. Ah oui, donc du coup, oui, ça, en parlant de ça, vendredi, samedi, non, samedi. Samedi, il s'est passé l'enfer de la quatrième fois que je rencontre une personne que j'aurais préféré ne pas rencontrer. Si vous avez suivi ce stream... Pour la quatrième fois. D'ailleurs, je t'ai pas dit bonjour, Strega. Attends. Bonjour, Strega. Si je t'ai dit à l'oral, je sais plus. Je te fais un bisou, j'allais dire. Ah, je te fais un cœur. C'est plus simple.
Ça fait penser au fait que vous êtes souvent là et donc du coup vous êtes au courant. Je crois que si, c'est possible. Si le son est trop fort, vous me dites, hein, parce que moi je l'entends un peu fort là. Et n'hésitez pas si vous voulez changer de radio. Ouais, donc du coup je me suis retrouvé pour la quatrième fois invectivé par une personne qui cette fois-ci a décidé d'être complotiste. Complotiste, sachant que cette fois-ci je me suis pas laissé faire. Au point que j'ai gueulé un peu dans toute l'enceinte de la structure pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent être au courant de ce qui se passe. Je crois que la latérite, c'est ça, là. Yes, on va chercher ça. Et on va faire l'oxygénateur, on va se barrer, et comme ça, on va pouvoir avoir tout ce qu'on veut en oxygène. Donc oui, la personne qui avait tenu des propos racistes a continué à me retrouver. Donc moi, je sors de mon endroit de travail juste pour faire une pause. Et là, qui je croise? Et ben voilà, toujours les mêmes personnes. Donc voilà, cette fois-ci j'ai appelé au téléphone, elle a pris une photo de moi, donc c'est possible que je tourne sur un télégramme de comploto laïciste là, parce que c'est un peu l'idée du truc, d'après ce que j'ai compris. Je vais dire j'espère. Je suis pas reconnaissable, sachant que je me balade avec un masque H24, donc je ne suis pas reconnaissable et donc du coup pas retrouvable. Mais le truc, c'est que voilà, maintenant les gens sont. J'ai tellement embrouillé la personne pour qu'elle puisse arrêter de me suivre que. Ah bah tiens, il y en avait là. On l'avait même pas vue, elle était cachée derrière la composite. Que j'espère que ça a été. Enfin, la structure est au courant maintenant, car la personne qui gère a été là. Pouvoir discuter avec cette personne, essayer d'effacer la photo. Non, bah, en fait, non. J'ai pas envie. Là, on va faire de l'argile, ou un truc qui est rare. Pas du graphite. Sauf que la photo n'a pas été effacée dans la corbeille, donc je pense que elle est réutilisable quelque part, bien entendu. Voilà. Mais non, c'est pas l'oxygénateur! C'est portable qu'on cherche, un oxygénateur portal. Portable. Oh, il est pas là. Non, c'est une personne extérieure, bien sûr. Attends. Tu vois, non, c'est quelqu'un de en dehors de la structure qui apparemment traîne dans le coin et apparemment c'est moi qui me prends toutes les personnes de cet acabit-là, qui est toujours cette même personne-là. Là. Donc voilà, je pense que c'est moi qui peux la créer en fait, ce truc. On l'a débloqué à 10 000 points d'expérience, donc ce serait bien de l'avoir quelque part. Ah voilà, oxygénateur portable. Ah, l'alliage de nanocarbone. Attendez, parce que ça c'est de la chimie. Voilà, alliage de titane et acier. On n'a pas d'acier. Niquez-moi. Niquez-moi. Niquez-moi! Attends, il m'a dit quoi? Alliage de titane. Donc il faut faire de l'alliage de titane. Du titane et du graphène. On a pas de tout ça là. On a du titane, d'accord? Non? Mais alliage de graphène, comment on fait ça? Graphène, c'est quoi déjà? C'est avec de la graphite, non? Et on fait chauffer de la graphite et ça fait du graphène? Non? On fait de la graphène? Si, graphite, ils disent. Dans quoi? Ressources composites, graphène, ingrédients, graphite et hydrazine. Mais j'ai pas d'hydrazine, moi. On a de la graphite.
Attendez. Je crois comprendre. En fait, faut faire plusieurs choses dans l'outil de chimie. On va faire de la chimie avant. On va avoir prendre notre oxygénateur portable et on va aller au centre de la Terre. Graphène. Hydrazine. Graphène. Voilà. Graphite et hydrazine, mais. L'hydrazine, il faut faire quoi pour faire l'hydrazine? De l'ammonium. Oh là là, mais quel enfer! On a de l'ammonium ici. Je crois pas, hein. On en a plus. Non, mais moi, j'essayais même pas de m'approcher des gens, parce qu'en fait, le truc, c'est que. On était film. On était. Alors. Apparemment enregistré en audio. Donc moi de toute façon je m'approche pas des gens, voilà. Bonjour Ringbell. On est en train de se prendre la tête là. Et il nous faut de l'ammonium et on n'en a pas. Est-ce que tu peux faire de l'ammonium toi? Ouais. J'ai vidé toutes mes bonbonnes en plus, mais oh là là. Oh là 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 là. Bon, bah on va aller chercher le tracteur. J'imagine qu'il y a de l'ammonium sur le tracteur, non? L'ammonium, je sais même plus où ça se trouve. Je crois que ça se trouve. Oh, je sais plus. On va en bas. On va essayer de trouver le tracteur. D'ailleurs, Evingbell est en stream actuellement. Donc, je fais un shoot-out. Et je te fais un bonjour. Merci pour le lurk. Je sais pas comment tu fais pour lurk. Donc, du coup, faudrait que j'apprenne. Ah, j'ai fermé Twitch chat. Lol. Blague. Je réouvre. Non mais en vrai, je sais pas trop comment m'en dépêtre parce que là, en ce moment, on va me mettre dans la position d'aller voir les keufs. Chose que j'ai pas forcément envie. Donc voilà. Mais apparemment, c'est la seule utilisation possible des keufs actuellement, c'est ça. Attendez, le tracteur, il est là, hein. On a fait ce chemin-là avec le tracteur, on est d'accord? Ça, c'est le chemin du tracteur ou pas? Ça ressemble. Sauf que le truc, c'est que la personne de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fout? Pourquoi il y a. Y a plus de. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, ici, il est là, le tracteur! Tracteur! Donc, on a besoin de ça. Y a des emballeurs et tout. Regardez tout ce qu'on avait. Il y a un stockage moyen en plus. Y a des piles. On avait tout abandonné ici. En fait, le truc, c'est que je sais que le passage keuf, ça casse les gens. Et vu comment la personne se discute, ça ressemble beaucoup à un rapport complot et lié potentiellement à quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui l'a cassé, en fait. Hein. Donc, dans le sens. Pas cassé dans le sens. Enfin, je sais pas. C'est mal dit en fait. Je sais pas comment dire. Très mal dit, je pense. Je vais essayer de remonter là-haut, mais j'y crois pas trop.
Parce que c'est. On a un chemin qui est très, qui est pas clair sur le tracteur. En fait, je sais que la police ne va pas aider ni moi, ni cette personne. C'est ça que je veux dire. Et vu qu'on essaye de me, de me pousser à aller voir, j'ai juste pas envie en fait. T'as vu la marche arrière? En plus, avec tous les fourgons, je sais pas comment j'ai fait. Hein. J'essaie de remonter, mais je crois que c'était à l'époque où j'avais oublié, je savais plus comment on faisait des lignes droites. Donc ça va être une galère. On remonte, hein, mais doucement. Mais je sais, en fait, je comprends pas ce chemin de rallonge. Il a l'air d'être bien cassé, hein. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, la prochaine fois, on verra comment ça se déroule. Parce que là, la personne est au courant. Dans le sens où, maintenant, toute la structure est au courant et il l'a rencontré, entre guillemets. Donc, cette fois-ci, c'est plus juste, entre guillemets, ma parole. Passe, quoi. Donc je me suis dit, on verra comment ça se déroule et si ça se redéroule la prochaine fois. Et comment s'en sortir d'une autre manière, quoi. Parce que je crois qu'il va falloir que je creuse, non? Pour aller plus vite. En fait, on a fait des trous dans des trous. Oh mon Dieu! Pourquoi j'ai décidé de ramener le tracteur à l'intérieur, mais c'était une bonne idée jusqu'à preuve du contraire. Hein. Ouh là là! Et là, normalement, ça devrait aller. Je sais même plus, on est à quel étage, je ne sais même plus où on va. Ah si, on était juste au premier étage. Wow, on n'a même pas réussi à aller loin. Quelle histoire! On va déclencher un des mystères, on va voir ce qui se passe. On va ramener le plus de batterie possible. On va essayer de trouver de l'ammonium sur le chemin. Et on va déclencher un des mystères de la planète. C'est un peu galère. Mais regardez! Y a plus de chemin là! Ah si, ça y est. Ah oui, mais c'est moi et mes techniques de chemin à travers les murs. Ah, je me reconnais bien. Hein. Je me reconnais bien. C'est bon, on est dehors. Allez. Allez les ressources, vous m'aidez. Hein. Ouais, tout va bien. Non mais c'est bien rangé, on avait dit. Ok. C'est bon, on est sorti. Bon, on va tout déposer, hein, parce qu'on n'en a pas besoin. Pas, ah, genre. Par contre, on a besoin de ça. Ça, on n'en a pas besoin, parce que ça, c'est nul. D'ailleurs, on va le jeter tout de suite, là, les piles, là. On va faire des débris. Ah. GG la sortie de tracteur, ah, c'était pas simple. Hein. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Ça, on n'en a pas besoin parce que ça, en vrai, je ne sais pas trop à quoi ça me sert en vrai. L'emballeur, c'est toujours intéressant.
On va désemballer ça, parce que je sais pas pourquoi je l'ai emballé, alors qu'en fait on va se balader avec. Peux pas désemballer ça? Merci. Voilà. Ah, je l'ai posé dessus. Ok, bon, voilà. Donc on a des piles. Une autre pile là, qu'on n'a pas besoin. On va faire un petit débris en plus. J'ai creusé un peu. Est-ce que je peux faire de l'ammonium maintenant? J'ai besoin d'aller chercher de l'ammonium. Est-ce nécessaire? Ah ouais, oh là là. Même moi j'ai rangé, mais oh! Je pense qu'avec toutes ces batteries ça devrait aller. Ça fait deux pour chaque. Ah ouais, en fait ce serait bien d'avoir un générateur en plus quand même. Histoire deux. On n'a pas un générateur là caché quelque part. Qu'on a oublié. GTR Mini. Alors montre-moi, est-ce que c'est le GTR Mini, il est là? Générateur moyen. Aluminium et tungstène. Non, c'est pas ça qu'on a besoin. On veut un GTR Mini. Quoi? Petit générateur, c'est ça? Composite. C'est ça, c'est un petit générateur le. Juste du composite, tu te fous de moi? Non. On va en faire des tonnes, hein. Je vous dis direct, hein, si on a énormément de trucs. Ça, c'est un GTR Mini, ça? Non, mais attends. Petit générateur, non, non, c'est pas ça. Pas ça, faut pas que je me trompe. Non, il n'y a rien par terre. C'est juste bien rangé. Rien par terre. On avait dit qu'on le jetait aussi. C'est les rallonges. On s'en fout des rallonges. On avait dit que c'était pas très intéressant. Du coup, le GTR Mini, c'est quoi qui fait le GTR Mini déjà? J'ai pas débloqué, genre, c'est ça l'histoire? Ah, mais attends, le buggy, il a peut-être un truc hein, dans le coin. On l'a pas débloqué. Ok. Mais par contre, on a un buggy. Donc, du coup, le buggy, il est où? Normalement, il y a quelque chose dessus. Il est là. Ah non, mais on le fait fonctionner à l'air? Ah ouais, d'accord. On est ce genre de personne. D'accord. Ça, c'est quoi ça? La centrifugeuse de terre? On en a déjà une. On va la débriter. On a déjà une. Tiens. Non? Ah oui, mais c'est moyen. C'est pour ça qu'il veut pas. Est-ce qu'on peut les changer de l'ammonium. Mais ça, c'est le truc de. Oh, en fait, c'est pas ça. J'ai la flemme d'aller chercher de l'ammonium, si possible. Merci. L'oxygénateur, ça me sert à rien. Moi, je veux portable. Ah, mais c'est dans mon dos, c'est ça en fait. A décidé de m'embêter le truc. Voilà. Très bien. Bon, allez, on se barre. Vous pensez que ça suffit? Je pense pas. En fait, c'est ça. Ah, tiens, elle est déjà arrivée. Ça, c'est beau. Je l'emmènerai sur notre planète. Non, mais j'ai la flemme. C'est ça l'idée. C'est que j'ai la flemme. Ammonium, c'est ça? Merci. Très gentil de votre part. Du coup, faut que je la mette là. J'en ai besoin d'un deuxième. Ok. Combien d'ammonium? Deux.
On va en trouver sur le chemin. On va essayer de débloquer le truc. J'y crois pas trop, mais on va voir. Faut que je mette la carte. Ah mais non, mais c'est à côté. C'est vraiment juste à côté. Attendez. Pourquoi c'est bloqué là? Faut aller au violet. On va débloquer celle qui est violette là. Le point violet. Non, l'oxygène. Non, c'est un... Alors attention. Ouh, il y a une éolienne grande là. Attendez. On va prendre ça. Je peux descendre? Merci. Quoi? Ah mais c'est pour ça que je l'ai pas pris. Éolienne? Oui. Pourquoi tu veux pas prendre l'éolienne grande? C'est nul. C'est nul. C'est nul de ouf. Hein. Éviter de tomber dans des trous, ce sera pas mal. Faut que je remette la carte. Voilà, on va au... Mais avance! J'ai de quoi emballer là, merci. On va s'occuper en passant. Bip, bip, emballer. Peut-être faire plus de remorques, mais non, mais c'est déjà trop, trop. Ah bah voilà, on est vraiment juste à côté, hein. Ah, j'ai trouvé de l'ammonium. Ici. On n'avait rien vu. C'est bon, on a tout. Maintenant, on va essayer de voir si on peut... accélérer cette ouverture. Si, si, si. Mais j'ai fait des bêtises. On monte. On peut faire monter le tracteur, ce serait pas mal. Ça me ferait moins. Je sais pas si on peut faire des. On va l'installer là. Alors. Donc normalement, on va checker. Un seul, ça suffit pas. C'est ça le truc. Ah si. Bon bah voilà. Hein? Vu que ça c'est indéfini dans le temps comme utilisation. Ah si quand même. Ça prend quand même une grosse partie de sa batterie. Hein. Et du coup maintenant là, il faut les piles. Et le problème c'est que les piles ça va se décharger. Va faire une sorte de combo de piles. Voir si ça fonctionne. Je pense qu'on peut faire des courses de tracteurs, exact. Là, on va faire des piles en cascade. Série plutôt. Normalement, il y aura pas mal de jus. La question, c'est est-ce que ça va être suffisant dans le temps? On va voir. La musique, il y a de la musique, je crois.
Ah, ici. Je veux dire qu'on peut faire un autre truc. On peut les faire tous. Toutes. Parce que exactement ce que c'est, mais. Voilà. Je remets la musique. Je remets ma tête. Donc ça a fait un truc, vous avez vu? Et on va aller voir ce que ça a fait du coup. Cliquons dessus. Réussi à tout mettre dessus? Incroyable. Et voilà, donc on en a une sur trois. Et après, il y a le noyau. Donc on va essayer de faire celui-ci. Et vous avez vu, ça fait élévation de la surface équateur. Qu'est-ce que c'est que ça, que ça veut dire? On ne sait pas. Mais on a compris que c'était de la thermoformation. Thermoformation, je crois. Là, c'est joli. Ouais, c'est joli. J'avais oublié que c'était de la thermoformation, ce truc-là. J'avais oublié. Mais bon, c'est pas. J'ai oublié. À côté des composites. Éviter les composites. Non. Éviter les composites, bien sûr. Donc, on va aller voir la prochaine. Terraformation, terroformation, je sais même plus. La terroformation, c'est quand tu transformes les trucs en terreau. Oh, il y a un sac à dos abandonné. Incroyable. Je prends. Avec une pile et de la lumière. Jeter. Ah, mais attendez. Ça s'embarque? Non. Il n'y a pas des petits débris aussi parce que j'ai besoin de beaucoup de débris. Ah, j'aurais dû appeler comme ça le. Oh, j'avais oublié, mais c'est ça qu'il fallait que j'appelle. Parce qu'en fait, on fait que de la récupération à partir de maintenant. Les petits débris. C'est un débris, ça? Ok. Je peux pas le porter. Pourquoi? Ah, c'est un grand débris. Mais oh là là. Ça, c'est un petit débris, ça? Oui. Là, il y en a un petit aussi. Ça, c'est quoi, ça? Débris aussi. Vous allez rire, faut que j'aille aux toilettes. Mon dieu. J'ai envie de faire pipi. La formation crée un environnement ressemblant à la Terre sur une planète. Exactement. Et c'est un peu le problème de ce jeu du coup. On prend l'ammonium. On en a besoin. On va sortir ça aussi. On en a plus besoin maintenant. Ça, on en a plus besoin non plus. Ah, mettre cette petite éolienne quelque part. Et qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Ah oui, c'est ça. On va s'en débarrasser. On va faire ça. Hop. Ça c'est un débris. On va jeter les klaxons. Hein. Je suis désolé, mais les klaxons on n'en a pas besoin. La lumière, bon, c'était marrant de temps en temps, mais sur nous ça va. Sur ailleurs, on s'en fiche. Ça. Et les piles. Pareil, ça va faire des débris. Faut que j'aille aux toilettes. Oh mon dieu, faut que je cours. Bon, je vous laisse. 3 secondes. Carré. C'est pas ça, c'est ça. A tout de suite.
Donc j'étais en train de faire les résidux. Ah oui, c'est vrai que je suis plus. Faut que je me replace mieux. Donc ça. Quelque chose là? Passe quoi? Comprends pas, il se passe quoi là? Ah, t'as pas la place? Pas. Ah, faut que je mette une bonbonne. Pas. Faut que je mette plus. Attendez, j'ai commandé quelque chose. Est-ce que c'est... J'ai commandé un truc. C'est ça qu'il faut que je donne? Ou pas? Ah oui, d'accord, vu que c'est un truc qui est du gaz, il me faut une bonbonne de gaz? What the point? Comment on commande une bonbonne de gaz ici? Attendez. Pourquoi c'est compliqué comme ça la vie? C'est que le niveau 1 hein, de ce qu'on demande en plus, hein, c'est grave. Hein, l'exogénateur portable. Hein. Ah c'est ça, bonbonne 2. Ressources moyennes, moyenne de fluide et sol, bonbonne de gaz moyenne. C'est ça qu'il faut que je débloque. Ça coûte beaucoup, hein. Ok, maintenant je fais quoi avec la... Comment je fais de la bonbonne de gaz? Avec du silicone et du verre, j'imagine que c'est une imprimante qui fait ça. Silicone et verre. Alors du coup j'ai du verre. Alors le silicone c'est comment qu'on fait? Je ne sais pas. Ah si, je sais, j'en ai une je crois. J'ai un truc de silicone, c'est blanc. C'est pas ça? Non ça c'est plastique. Mais comment on fait les silicones? Oh mon dieu. T'as pas de bouteille, tu ne vas pas pouvoir embouteiller ta bière, c'est vrai, exact. Bon, alors le silicone. Mais tout ça pour ça là, hein, quand même, hein, compliqué, hein. Silicone. Hydrazine. Normalement, c'est censé être un truc, non? Je comprends pas. Et c'est en plus, c'est même pas. Même pas besoin de ça en fait. Silicone, il est pas là. Il n'y a pas marqué silicone. Il n'y a pas marqué silicone. Là. Résine quartz. Ressources composites créées avec le labo de chimie. D'accord. Ok, donc c'est créé avec le labo de chimie, il faut que je fasse du silicone avant. Ah, c'est long! Comment on fait du silicone? Résine et quartz, ok. Tiens, je te donne du quartz et de la résine. Résine. Quartz, il est où le quartz? Il n'y en a plus? Pour ça, mais c'est quand même l'enfer. Hein. Le quartz, il y en a juste en bas. C'est qui l'icône, c'est vrai. Hein? Mon dieu, c'est long. Pensais qu'on allait avoir plus de facilité à bouger, mais non, pas du tout. Le quartz, il est là, ouais, de l'autre côté.
Mais j'espère qu'on n'aura pas besoin de bonbonne, parce que comment tu fais une bonbonne... Voilà, il y a du quartz ici. Hop. Comment tu fais une bonbonne si tu as besoin de, silicone, et que pour cette, ce silicone-là, il faut que tu... il faut que tu fasses du quartz et de la résine, et tu le fasses passer dans la chimie, dans le labo de chimie qui a besoin de bonbonne. Vous voyez mon problème. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si j'étais en face de la caméra, mais j'imagine que non. Un peu mieux, je pense. Alors, je te donne du quartz. Toujours pas. LOL. Lolilol. Pour la peine, je défonce un klaxon. Attends, mais ça veut dire qu'on peut débloquer une version petite des bonbonnes? Plastique et verre, bon. Plastique et verre, ça on peut faire aussi. Fluide et sol. Voilà, plastique. Donc là on a du verre. Le plastique, il est là. Mais bien à gauche. Pourquoi ça ressemble à un truc énorme? Oh, pas trop. Pour la peine, je fais... Ça, c'est une bonbonne de fluide et de gaz, etc. Bon, est-ce que ça va, ça rentre dedans? Mais en fait, il m'en veut. Ça sert à quoi, ça? Ah, je peux mettre des trucs dedans, c'est ça que tu me dis? D'accord, ok. J'ai compris. C'est pour vider mes bonbonnes. D'accord. Je peux le poser quelque part? Genre là? Si je le pose là, là ça peut servir. Il le reprend, c'est ça? J'active la sortie. Comme ça, voilà, il embarque là. Ok. Vachement intéressant. J'adore. J'adore ma vie. C'était pas du tout ce que je cherchais. Je peux pas vider ça, genre. Regarde, ça prend le gaz. Tu veux pas prendre ça? Non? En train d'utiliser toutes mes ressources de science pour des trucs qui me servent à rien. Prendre deux pépites d'une ressource. Non, mais d'accord. Ah oui, c'est pour récupérer plus. Bon, d'accord. Ok, d'accord. Répéteur de boutons, répéteur. Mais je veux une bonbonne de gaz. What the fuck, man? Plus de ressources en plus. Oh là 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 là. Même si je le trouve, ça marchera pas. Propulseur d'hydrazine, ça c'est pas mal. Mais faut, pour l'hydrazine, c'est une galère à faire. Ok. Bon, vas-y. Ça, il m'embête. Je vais aller chercher. J'ai besoin de quoi déjà pour faire l'hydrazine? C'est de l'hydrazine, c'est ça? J'avais besoin de faire. Appelons-le. On s'en fout. Oxygénateur portable, voilà. L'alliage de nanocarbone. L'alliage de nanocarbone qui me demande d'avoir un truc ici. En fait, il faut que j'utilise ce nitrogène que j'ai commandé, en fait. C'est le seul truc. Sinon, je demande... Parce qu'en fait, je peux pas demander un truc vide de ça. Donc, en fait, il faut que j'utilise du nitrogène. Mais je l'utilise où? Dans quoi? Pour la peine, je jette ça.
Ouais. J'ai perdu. Le truc original à la base c'est l'oxygénateur. Sauf que l'oxygénateur, il faut avoir deux. Je sais pas quoi. Je jette cette pile, j'en ai marre de cette pile. Non mais. On va pouvoir faire des trucs hein, dans pas longtemps. On peut même aller chercher de la wolframite si on veut. Ouais, bah d'accord. Mais je vais jeter une autre pile. Genre ça. Y a rien qui va là, hein. Reste ici. Elle est où ma pile? Je jette ce klaxon pour la peine. Après, on va jeter ça. Ça. En fait, ils nous font une bonbonne qui nous permet de garder du gaz. Mais maintenant, il va falloir que j'utilise la nitrogène. Mais alors, du coup, comment on fait de la... Qu'est-ce qui fait de la nitrogène, quoi? Qu'est-ce qui a besoin de nitrogène actuellement pour pouvoir que je puisse faire quelque chose? C'est ça, en fait, le truc. C'est que là, on n'est pas au niveau à utiliser du nitrogène. Oxygène, j'en ai rien à faire. Vas-y, pars. Qu'est-ce qui utilise du nitrogène? En fait, ça devrait être ça. Quelque chose qui utilise du nitrogène, là, quelque part. Là, je pourrais lancer de l'hydrazine, mais l'hydrazine, c'est du gaz. Donc, du coup, il me faut une bonbonne. Donc, il faut que je vide le nitrogène. Ah! Il me faut du titane et du graphène. Le graphène, c'est le graphite. Et du titane, ça j'en ai, je crois. Il a déjà été utilisé quelque part? Bon, il est là. Ok. Graphène. On va revérifier comment on fait du graphène. Avec le labo de chimie. Mais JPP. Le jeu m'en veut. Donnez-moi accès à quelque chose. Bon. Ça, c'est quoi? Ah, mais le condensateur atmosphérique, c'est vrai que j'avais ça. J'avais acheté ça. Attendez. J'avais acheté. Je l'ai créé. Le condensateur atmosphérique, c'est ça qui va m'aider. Montre-moi. Non, pas du nitrogène. Moi, je veux un truc vide. Tu veux pas vider? Tu peux pas vider, tu peux vider les trucs. Mais pourquoi il est méchant? Je comprends pas. La bonbonne, comment on fait pour faire une bonbonne de ressources atmosphériques là? Ah, j'ai un GTR mini en plus, super, je prends. Allez, hop, ça c'est pour mon dos. Bonbonne de gaz moyenne, super! C'est exactement pas ce que je veux. Exactement. C'est exactement ce que je veux. Ce que je veux pas. Mais c'est de gaz, donc du coup ça peut marcher. Peut-être que je peux vider avec ça. Allez, on va checker. Bonbonne. Voilà. Tu mets dedans. Oui! C'est exactement ce que. Gueule. Ma gueule, le truc a été désintégré là? Ah, je suis dégoûté. Suis dégoûté. Que je peux l'utiliser comme ça. Avec les deux, j'ai besoin de faire de l'hydrazine. Non, je ne peux même pas l'utiliser comme ça. Okay. C'est bon, j'ai compris. Elle était vide. Ok. Je n'active pas la sortie. Elle était vide. Je la mets là. Non? Alors attendez. Il y a un truc que je comprends. Activer. Voilà.
Là, elle rentre. Et elle se re-remplit. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je désactive la sortie. Elle rentre. Et elle disparaît? Mais pourquoi? Mais là, là-haut. Mais on a un seul truc, s'il te plaît, vide là. Vide là. Pas du foutage de gueule, ça? Et là, il disparaît. Mais pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? M'en veut, je crois. Bon, est-ce qu'on a un autre truc à récupérer là? Non? C'est que des octets? S'il te plaît, dis-moi qu'on peut faire un truc avec les octets pour qu'on fasse des petites bonbonnes, je sais pas. Quelque chose. La petite bonbonne, elle prend pas le gaz, hein, on est d'accord. Centrifugeuse de sol et les forêts de véhicules, non. Mais ça devrait être niveau 1 en fait, la bonbonne de gaz. La petite. Donc ça veut dire qu'on commence avec la moyenne. Peut pas en créer. Il peut y avoir des tuyaux, tu penses que c'est des tuyaux qu'il faut? Ah, Going Under, la musique. Ça c'est quoi ça, mon tapoteur? Ah, les tapoteurs c'était pour tapoter sur les trucs... glaciaux. Ok. Bon bah l'hydrazine, je peux même faire faire, c'est ça? Bon, imaginons. Ah, c'est ça en fait qui me stresse. Comment on fait là? Et là, elle est pas réutilisée ici. C'est trop bizarre quand même. Résine quartz, ça fait du silicone avec du méthane, soufre. Organique et résine, ça fait du caoutchouc. On peut tenter le caoutchouc. Vas-y, on va faire ça déjà. Est-ce que ça va nous donner... Mais non, mais même pas! Ça c'est ma bonbonne de terrain en fait. C'est même pas une bonbonne de autre chose. J'ai rien du tout. En fait, j'ai qu'une. Vraiment qu'une. Et là, je me fais du caoutchouc, mais ça me sert strictement à rien. Carbone et composite. Carbone. C'est amusant, mais... En fait, je comprends pas l'idée de... t'as besoin d'une bonbonne qu'on ne trouve pas. Aluminium et cuivre. On a de l'aluminium ici? Je sais même pas. On a du cuivre? Non. Pour faire de l'alliage d'aluminium, carbure de tungstène. Et là, il faut de l'hydrazine à partir de maintenant. Et l'hydrazine. L'acier, c'est fer et carbone. Mais il faut de l'argon.
La graphène, graphite et hydrazine. Donc c'est ce qu'on a besoin. Il faut de l'hydrogène. Il faut que je récupère avec le con... avec... Alors, on va faire comme ça. Donc il faut de l'hydrogène. Je récupère de l'hydrogène. Voilà. De toute façon, il va me falloir de l'hydrogène, donc on va prendre de l'hydrogène. Et en attendant, on va se barrer, parce que j'en peux plus. En fait, c'est une bonbonne est créée par le condensateur, d'après ce que je comprends maintenant. Donc, on va aller activer les autres boutons. Ah non, mais là, c'est le coin où il y a des trous. Il est 11h30 déjà. Oh là là. Ma vie va vite. Là, il va falloir faire attention parce que c'est un peu à mourir. Heureusement qu'il y a Kirby hein, dans notre vie. Hein. Je récupère de la masse. Construire. Oh, cette version reggae de Kirby, c'est... Y a rien qui va dans de cette construction. Voilà, ça c'est un ça ressemble un peu plus à un pont. On va aller activer le deuxième coin. Pendant qu'il nous fait de l'hydrazine, on repassera peut-être tout à l'heure. D'accord, c'est Kirby, hein, je me trompe pas avec genre Zelda. Avez-vous vu ce que j'ai vu? Ça va être une galère. On voit rien. Ah ah! Il y a des emballeurs. J'étais mims l'arme avec un trou. Ouais, il y avait un truc dans le dos de l'arbre. Ah mais il y a beaucoup de choses ici. Va peut-être ramener ça plus proche.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'essaie de passer dans des endroits. Laisse tomber. Allez hop. Merci. Quoi, c'est un des mini-réacteurs? Oui, c'est des mini-réacteurs, mais en fait, ça nous sert à quoi? Ah, c'est à combustible solide, super. Ah oui, c'est vrai, c'est juste pour faire des burn-out. C'est sûr que tu le mettrais dans le trou. De toute façon, je vais devoir t'autoriser l'automode. Parce qu'il y a marqué Dating and Sexting. Il y a un emballeur, et... mais il y avait vraiment tout dans ce truc-là. Il y a tout. Tout ce qu'on a besoin. Ouh là là, je vois rien. Où je suis? Ah, il y a Windows qui s'est ouvert. Tellement je savais pas où j'étais. Je ferme. On sait jamais ce que ça peut être. Ça se trouve, c'est une mise à jour. Peut-être que le stream s'arrête maintenant. Vrai que j'avais monté du quartz et du coup, je l'ai dans le dos. C'est un peu bête. Il y a de la graphite encore en haut. Que j'y aille dans pas longtemps. Ouais, bah tant mieux pour toi. Hein. Je crois que tout le monde l'a vu. Hein. Allez, allez, j'y crois. Bien sûr, j'y crois. On va remonter. Bon, je vais te poser là-bas. Hein. Mais je vois rien. Faut monter par là? Ok, je monte. De quelqu'un de raisonnable. On ne peut pas passer dans un sens, je vais dans le sens. J'aurais dû prendre le buggy, on y serait allé plus vite, je pense. Mais le buggy, il peut pas transporter toutes les piles là qu'on a. On continue. Et par contre, j'ai plus d'octets, donc peut-être qu'il faudrait que je récupère des trucs sur le chemin. Ça, par exemple, ça fait des octets, donc on va peut-être le récupérer, ça. C'est très compliqué avec les armes. De sortir de ma fatigue, mais c'est dur aujourd'hui. Bah, prends ton temps, hein. De toute façon, je sais pas si t'as un truc de prévu. Lui et Mims. Deux objets de recherche, on continue. Juste à côté, c'est très bien. Peut-être m'approcher un peu plus, non? Alors, organisation numéro 1.
Normalement, on n'a pas besoin d'autant, mais voilà. Pas de bon. D'ailleurs, on peut même en faire. C'est vrai que j'en ai 3, donc du coup, je peux faire ça aussi. Petite coupure de musique. Est-ce qu'on tente la troisième maintenant, comme ça au moins c'est fait. Pas juste à aller dans le noyau après. Au noyau, je sais plus. Pourquoi j'ai dit dans, je ne sais pas. Troisième point est trouvé. On va en direction du troisième point. Il y a des débris là. Il y a des petites piles qu'on peut récupérer. Hop. Ah non, c'est un trou. C'est un trou. C'est un trou. C'est énorme. En plus. Allez, on continue. C'est comme si on n'avait rien vu et que j'étais pas tombé dans le trou. Ouais, c'est joli le. En fait, Sylva, c'est pas mal en vrai comme. Oh, ben, il y a de la momium. On va peut-être prendre de la momium là sur le chemin. J'avais peut-être pas besoin des piles, oui, c'est possible. Ah. Le jeu a décidé de m'en vouloir. Ah salut, pipi, caca, popo, et oh, 6 de suivre. Merci. C'est un joli nom. J'ai rempli mon ammonium. Paquetage plein. Paquetage. Il appelle ça un paquetage. Ou un paquetage. Ouais. Bah écoutez, on continue. Hein. On y est bientôt. C'est joli quand même. Il y a une... On dirait qu'il y a une planète en forme d'ammonium là-bas. Bon, on va activer la troisième, je sais pas si ça va activer tout d'un coup. Et on va voir. Bientôt, bientôt pleine. Bientôt. Allez, et d'abord activer la troisième. Troisième point, et après on va rentrer. Vérifier si l'hydrazine c'est bon. Et au final, je me suis peut-être énervé pour rien. Hein, parce qu'en fait, je pense que c'est ça, c'est un mélange de ressources naturelles plus du gaz égale ce qu'on cherche à faire. Sauf que c'est. En fait, je pense que le condensateur atmosphérique il récupère un seul truc à chaque fois. Et du coup, il faut se déplacer dans d'autres mondes pour pouvoir récupérer d'autres condensateurs. Enfin, tu vois,
En fait, faut se balader avec son condensateur atmosphérique pour récupérer d'autres trucs ailleurs. L'idée, c'est ça, je pense. Regarde en passant, mais. Il y a l'air d'avoir des montagnes. Ah mais oui, c'est celle qui est sous la terre. Ah. Donc celle-ci par exemple, on pourrait la faire la baisser. D'accord, on va la mettre là. On va se mettre en plein milieu. Donc là, par exemple, il y a eu une montée de. C'est peut-être moi qui l'ai déclaré d'ailleurs. Il y a l'air d'avoir une montée de. Montagne. Donc là, il y a eu de la terraformation quelque part ici. Ouh là, la gueule de la terraformation en mode on risque de mourir. Ouh là 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 là, vous avez vu le trou à côté là? Bien fait d'arriver par là. Hein. Alors, on va poser ça ici. Regarde-moi ça! Mais c'est tellement haut! Ouais, c'est joli après comme maison, c'est vrai. Faut juste pas tomber de ta maison. Je pense qu'on est bon, hein. Je vais juste aller chercher les... GTR Money, you know. Et on va essayer 100, mais je crois que c'est pas assez. Ah, quoique si, remarque, je vous avais déjà dit que j'avais réussi avec juste les trois. En faut deux piles de plus, en fait. Pourquoi j'ai envie d'aller aux toilettes encore? C'est bon, ça descend. Allez, 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 avant qu'il n'y ait plus de piles. Ok, ça a l'air d'être validé. Allez, 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 jusqu'au bout, 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 jusqu'au bout. Oh non, ça remonte, ça remonte. Vite, une pile. Ça remonte, ça remonte! Aïe 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 aïe! Le drame arrive! On y était presque. Et après j'y vais. Après je vous laisse. Allez, allez, allez! 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 C'est validé. Hop. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes toutes les 6 secondes, mais c'est quoi cette histoire? En fait, 3 ça doit passer, ouais. Parce qu'en fait, les piles elles se vident trop vite. Mais là, je pense que c'est bon en fait. Pour cette planète là, ça sera fini. Hein. Il y en a que 3.
Et après, il y a le noyau. Donc le noyau, on va devoir se balader, je pense, avec le tracteur en bas. Mais pour l'instant, on n'y est pas. En tout cas, vous avez dû comprendre qu'en fait, on peut terraformer la planète et créer des trous. Mais alors, par contre, la question, c'est ça. C'est que j'ai jamais vraiment essayé. Donc on va voir si ça fonctionne. Mais là, vous avez vu que le trou, là, la tête du trou à côté, il est compliqué. Donc voilà. Je vais juste vite fait courir aux toilettes. J'arrive. Et après, on finit juste, on rentre. Ah, j'étais en mute. Du coup, oui, je disais, ouais, elles sont jolies, mais il faut. À quoi elles servent? Elle est allumée? Ah non, il y en a plus! Il y en a 6! Ouais, mais on n'aura jamais le temps de faire ça. Il y en a 6. Du coup, on a compris, du coup, que. Ah, c'est le trou. On va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison et on va voir ce qu'on fait. Mais ouais, il y en a 6 et on en a activé 3. Donc du coup, je pensais avoir fini, mais non, pas du tout. On va aller voir les hydrazines et on va voir de toute façon comment ça se déroule. Ah, il y a un trou là. Je veux pas tomber dans ce trou là, si c'est possible. Oui, ça sera pas aujourd'hui, mais peut-être jeudi. Par contre, là, on peut pas traverser les montagnes. Ça serait con de traverser les montagnes en tracteur. Encore un trou. Ça change de d'habitude. Ça change de d'habitude. Donc, tous les trous du monde, là. Bon, je tente ou pas? On tente la traversée. Bon, vas-y, on tente la traversée. Non, mais avec les remorques, ça va être juste l'enfer. Non, non, on va pas tenter la traversée. Ça va prendre 15 ans. Va être sympa, hein, avec nous-mêmes. J'ai encore de quoi emballer ou pas? Oui. Non mais ce serait pas mal de faire un tunnel, mais en fait ça prend trop de temps.
C'est 11h55. Oui, j'ai vu, mais on rentre à la maison là, on va juste déposer les trucs. Bref, j'arrive. Ça. Et on arrive au bout. Faut juste que je traverse la montagne là. Je vais tomber dans le trou, mais remarquez comment j'ai évité. C'était un peu abrupt comme virage. Il y a une pile, mais je vais la laisser. Garde le tracteur, exactement. Faut que je garde le tracteur et après c'est bon. J'abandonne. J'ai l'impression de m'éloigner de plus en plus. Cette maison est très très loin. Mais elle s'arrête à un moment cet édifice... Cet édifice montagneux là? Mais oui, là, normalement je devrais faire un tunnel, hein, parce que là c'est trop long. Ça y est, on y est. Poup, poup, poup. Ah, le fameux. Alors, est-ce que ce pont est valable? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouh là 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 là, la gueule du pont. Ouh là là, heureusement que je ne suis pas allé tout droit. Partout, mais quel enfer. Ma vie. En fait, je comprends pourquoi les gens ils prennent le finisseur pour pouvoir créer des routes. Hein. Ça passe. Oui, ça passe. Ouais. Ça passe. Yeah. Alors, on va voir la bouteille d'hydrazine et ce que ça nous a donné. Pas trop. Ça a débloqué. Ok, j'ai compris, d'accord. J'ai compris comment ça fonctionnait. Bon, d'accord. On a réussi à faire des trucs, pensée verticale et je sais pas quoi. Là, du coup, on a de l'hydrazine. Là? L'hydrazine, c'était pour faire le graphène, graphite. Bien. Hey, j'ai un propulseur d'hydrazine gratuit. Mais c'est trop bien. Et du coup, on a de là du graphène. Avec le graphène, on pouvait faire l'oxygénateur, c'est ça? C'est l'alliage de nanocarbone.
Avec le graphène, on fait quoi? L'alliage de titane, c'est ça? Graphène, titane et alliage de titane. Il faut du nitrogène, on en a déjà. Nitrogène, on s'en fout. Voilà. Titane, graphène. On met du graphène. Titane. Quelque part ici. Alliage de titane. Je finis ça parce que je vais jamais ou je vais oublier. Je vais oublier, ça va me stresser après. Je préfère le faire maintenant. C'est bon là? Alliage de titane. Alliage de titane et acier maintenant. Et de l'hélium. Donc il faut alliage de titane. Donc ça on va mettre de côté. Hélium. On peut pas récupérer ici, j'imagine. Façon insuffisante. Voilà. Et acier. Et du carbone et du fer, c'est ça? On a plus de fer. Il y a rien qui va dans ce process. Hein. Il n'y a rien qui va. La wolframite, ça fait du fer, je crois. C'est ça? Non, c'est la wolframite? Ça, c'est du fer, ça? Non, c'est du fer. Super long. Alors, l'acier. Fer et carbone, ouais, du coup. Carbone, on en a là. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et de l'argon. On en a même pas ici. Oh, mais en fait, c'est une galère. Hein. C'est une galère à faire. C'est de l'hématite qu'il nous faut. Pour le faire. Bon. Je sais pas quoi vous dire. On va s'arrêter là. Bon. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On va aller peut-être voir Ringbell, on va checker. Ouais, on va aller voir Ringbell. Allez, la fin. Est-ce que ça marche? Oui. Mais pourquoi il veut pas? Là, il est bon. Le premier, il a pas fonctionné. Allô? Oui. Si, ça fonctionne, j'ai l'impression. Le premier a pas fonctionné. Bon, merci. Là, il y a un petit problème. On n'est pas loin, on n'est pas loin de la fin. Hein. Mais il n'y a pas les logos, c'est une blague. Alors que j'avais fait des super logos. Regardez. Mais pareil, il se barre. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas mis de temps, il se barre vite. C'est ça en fait. J'ai oublié de mettre un temps dans les filtres. Bon, à plus. Le truc est trop rapide. Ouais, c'est ça.